Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va se faire la revue du Kaifun Mini V3, qui est pas un nouvel atto du tout, mais qui est un de mes attos préférés pour faire de l'inhalation indirecte en reconstructible. Moi, je le trouve vraiment tip-top, hein. Il marche super bien. Je le traîne toujours avec moi au boulot, hein, surtout au boulot, parce que je peux pas faire des gros nuages de barbare. Donc voilà, lui fonctionne vraiment très très bien, quoi. Bon, c'est à peu près le même design, hein, que le Kaifun V5. La seule différence, c'est qu'on n'a pas la bague de réglage d'airflow, mais l'airflow se règle par une petite vis là qui est là au fond. Je vais prendre un tournevis. Vous voyez ici, on a une petite vis au fond là. Je sais pas si on va bien voir, ouais, si on arrive à la voir. Et donc en fait, en serrant dans le sens des aiguilles d'une montre, on resserre l'airflow, et en desserrant, on ouvre l'airflow. Bon, moi je trouve ça pas mal, hein. Moi ça m'a pas gêné spécialement, puisque en fait une fois qu'on a trouvé son réglage, c'est un peu chiant au début de trouver son réglage, mais une fois qu'on l'a trouvé, en fait on le change jamais, quoi. Donc voilà. Petit truc aussi qui est moins bien que sur le Kaifun 5, hein, si je dois faire la comparaison, c'est que là on n'a pas les petites encoches qui maintiennent le fil, donc du coup des fois sur du fil très fin on galère un tout petit peu, quoi. Voilà. Donc de toute façon, bah, ce montage on va le faire sauter, on va s'en refaire un. On va essayer de faire du genre 1,2 ou 1,5 ohm. On va voir comment ça tombe. Voilà, moi ça me gêne pas. Hein. J'adapterai la puissance en fait en fonction de ce que j'aurais fait comme coil. Et bah allez, hein. Donc on va commencer par le coil. Donc là, bon, bah, une fois qu'on a fait notre réglage d'airflow, hein, en fait on a juste ça à remettre. Il n'y a pas de sens exact. Hein. Tac, on remet notre vis. Et on resserre tout ça. Tac. Donc, on va se faire sauter ce montage. Je sais pas si vous le verrez, mais là, j'avais carrément fait un tour autour de la vis avec le fil pour pas qu'elle sorte. Mise au point. Bon, je sais pas si on le verra très très bien, mais j'avais carrément fait le tour de la vis pour pas qu'il se barre pendant que je serre la vis. Voilà, c'est le seul truc un petit peu chiant avec cet atto, mais une fois qu'il est monté, il marche nickel, quoi. Donc c'est vraiment pas rédhibitoire. Ou... Donc maintenant le truc, c'est d'arriver à enlever ça. Donc, le plus simple, c'est que j'enlève complètement les vis. Hein. Quand je fais des montages comme ça, là où je fais vraiment le tour, le plus simple, c'est d'enlever les vis. Vous voyez, ma vis est carrément capturée, mon fil capture ma vis, quoi. Donc là, on va voir comment ça se présente aujourd'hui, quand ça veut ou ça veut pas, on sait pas à l'avance. Donc là, c'est bien crade. Je vais nettoyer un poil. Bon, je l'ai nettoyé là, mais vu que j'avais laissé le coil, ça n'a pas été dans les petits recoins. Je rapproche juste de tournevis, hein, qu'elle se barre pas. Peut-être mettre un peu d'angle à la caméra, histoire que vous voyez quelque chose. Voilà. Donc, en fil, moi je vais prendre du 28 gauge, ce qui nous fait 0,3, je crois, 0,34 ou un truc comme ça, je crois. Donc en fait, l'avantage, c'est que plus le fil est fin, plus il est résistif, moins on a de spire à faire. Donc là, vu que je veux faire quand même une résistance assez haute et que mon plateau de montage est pas énorme énorme, je réduis la taille du fil. Et puis ça a un autre avantage, c'est qu'il est très réactif. À 9 ou 10 watts, il réagit très vite. Alors que si je commence à mettre du diamètre un peu plus gros, il va falloir que je mette plus de watts. Donc moi, pour ma vape de tous les jours, au boulot et tout, j'ai pas envie d'envoyer de la grosse fumée ou des gros wattages au boulot, quoi. Donc hop, donc moi ce que je fais, je chope mon fil et je tire toujours un peu dessus pour bien qu'il soit droit, ça m'évite de galérer après. Mon coil master, du coup je vais lui mettre un, je suis en montage, je suis monté avec un 30.
Donc là, c'est le 25. 25 mm de diamètre. Je peux le ranger. Tac. Et on va se faire, je sais pas combien de tours. Moi je dirais 11. On va voir. C'est parti. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Je vais lui mettre un petit 12e parce que là je vais lui tirer dessus un petit peu. Voilà. Donc là je pense qu'on doit être à 11 spires. Là je vais avoir du mal à les compter. Mise au point, please. 2, 4, 6, 8. Ouais, là on est à 12 spires. Je pense. Donc, je me positionne. Donc là on voit que mon coil est pas trop mal. Voilà, mon coton va pouvoir bien descendre. Il aurait peut-être même eu une spire de plus, ça aurait pas été gênant. Donc ce que je fais moi, c'est que je tends mes fils comme ça. Et je vais déjà visser le premier. S'il le catche bien, pas besoin de faire le tour de la vis. Si par contre il me fait comme il fait tout le temps, voilà ce qu'il vient de me faire. Donc mon fil vient de sortir en fait de la vis, donc je vais lui faire faire le tour comme je fais d'habitude en fait. Des fois ça prend, des fois ça prend pas. Donc là je le prends et je lui fais faire carrément le tour de la vis. Je serre bien. Je visse, donc là il n'y a aucune chance qu'il puisse sortir. Je vais faire pareil avec le deuxième. Donc là je recentre un petit peu mon coil pour avoir la bonne longueur. Je lui fais faire le tour de la vis. Je ne sais pas si vous verrez bien si ma mise au point fonctionne. Je tire un peu dessus, pardon pour la caméra. Je tire un peu dessus pour qu'il soit bien tendu. Et je le vise. Donc là, je le serre quand même bien. Je lève bien mon coil au maximum que je peux. Donc là, vous voyez, il est tout de travers. Donc je le redresse un petit peu. Sans trop forcer, sinon il y a un risque que je le casse. La mise au point ne veut pas fonctionner aujourd'hui. Donc là je vais couper le fil excédentaire. Donc là je me mets bien à ras de la vis. Faut vraiment pas que ça dépasse. Hein. Vous passez votre doigt, faut pas que ça dépasse. Et de toute façon, ça là voilà, typiquement là on voit que ça dépasse un tout petit peu. Mais là on sent qu'il dépasse un peu. J'appuie avec mon... Donc on a combien de spires? 2, 4, 6, 8, 10 et 1, 11. Non, non, on est à 11 spires. Donc ça nous donne quoi ça? 1,92. Bon, alors là, c'est carrément, oui, c'est bien de l'inhalation indirecte. En plus, en le chauffant, je pense qu'on va être à 2. Je resserre bien.
Donc bon, le filon 03, c'est très 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 flexible. Moi, je sais que j'apprécie particulièrement le 04 parce que déjà ça commence à être bien rigide. On est un petit peu moins emmerdé quand on fait nos montages. Donc là, on est pas mal. Hein. Il part bien du milieu, il va vers l'extérieur. Je le resserre encore un petit coup, je vais le gratter un petit coup. Je pense que là, il devrait rougir à peu près comme je veux. Voilà, là, il part bien du milieu et il va vers l'extérieur. Donc moi, ça me va. Donc on va se mettre un bout de coton maintenant. Celui-là est un peu large, on va se le recouper, ciseaux. Donc là, j'enlève le coton qui est à l'extérieur. Je le roule un petit peu dans mes doigts. Donc là, je pense que j'en ai mis un peu trop. Vous voyez, ça résiste vraiment beaucoup, beaucoup trop. Quoique. Là, je vais le bouger un petit peu comme ça pour que ça m'écarte un petit peu de coton. En fait, ça va. Là, je vais un petit peu l'aérer. Hein. Et pour le couper, bah, en fait, hein, je vais le... Je descends mon coton là et je coupe à peu près au-dessus du joint. Donc après on réajustera s'il faut, mais normalement en coupant là on n'est pas trop mal. Avec la caméra c'est pas facile, en plein milieu. Voilà, ça nous donne ça. On voit que mon coton est bien aérien, il va bien boire mon liquide. Donc là, le but du jeu, un peu comme sur le KFN 5, hein, on attrape notre coton, on le glisse d'un côté, et puis on essaie de rentrer les autres brins sans trop tasser. Voilà. Il faut que notre coton, quand on le secoue comme ça, qu'on sente qu'il soit un petit peu lâche. Là, ça fonctionne très très bien. Donc en fait, j'ai mon coton qui touche bien le... Qui touche bien le fond là en dessous. Hein. Vous voyez en dessous on a les petits ronds là qu'on voit au fond là. C'est par là qu'arrive le liquide et en fait il faut que notre coton arrive pile poil au-dessus sans les boucher complètement, qu'il soit juste en contact gentiment. Vous voyez là c'est coupé un petit peu en biais là. Donc là je vais reprendre ça tout de suite. Voilà. Et pareil que de l'autre côté, on prend, on glisse. Et là, on voit bien que mon coton, il navigue bien. Il est bien libre. Là, c'est pareil. On sent qu'il est bien libre. Une petite chose à vérifier aussi, qu'on n'ait pas de coton au-dessus de mon airflow. Hein. Là, ici, l'air arrive par ici, donc... faut être bien sûr qu'il n'y a pas de coton là qui arrive dessus. Donc là non, moi ça me paraît nickel. Là pareil, de l'autre côté c'est nickel, tout est bien libre. Donc on va lui mettre un peu de jus. Jus, donc là ça c'est de l'ananas, de l'arôme capella que j'avais acheté. J'avais dosé à 13%, c'est ce qu'il conseillait dans de la 60-40 en 6 mg. C'est ce que je fume à peu près en journée quoi au boulot. Aucun goût, pas terrible. Il y a 3 jours, je lui ai rajouté 2 ml pour le faire passer à 15%, mais de Diane Vap. Et là, ce coup-ci, j'ai vraiment un goût d'ananas. C'est ce que je voulais au départ. Donc, l'arôme ananas capella, moi je vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt de prendre celui de Diane Vap qui a vraiment un bon petit goût d'ananas. Nickel quoi. Donc, j'imbibe mon coton, on va zoomer un petit peu, bien penser au coil,
Hop. Donc là, une fois que j'ai imbibé un petit peu avec le liquide, et ben en fait tous les petits poils là qui dépassent, tout ça là, en général, moi je les re-rentre à l'intérieur. Hein. Donc tout simplement, je passe ma pince comme ça. Hop, ce petit poil là qui dépasse, je le pousse un peu, histoire qu'il n'y a rien qui sorte. Hein. Après ça, c'est là ici, j'ai pas trop de trucs qui dépassent. Je passe mon doigt pour enlever un petit peu le coton sec. Donc là, ça m'a l'air pas mal. On va lui mettre un petit shoot pour voir comment il réagit. Ça m'a l'air de bien fonctionner. J'en mets 2-3 gouttes. Je remets un petit shoot. Nickel. Donc là, on va pouvoir passer au tank. Donc là, bah, rien de compliqué, hein, notre chambre d'atomisation avec un petit joint en bas là où va venir le Pyrex contre. Voilà, hein, c'est du nickel. Bon, petite précision, ça c'est le clone. Je crois que l'original vaut 99 € un truc comme ça. Donc ouais, moi j'ai dû choper, je sais pas, une 15-20 euros, même pas, je sais même plus. De toute façon, je mettrai un lien dans la description vers l'original et vers le clone. Moi franchement, le clone marche très bien. Donc en fait, on vient mettre notre Pyrex contre le joint. Là ici, c'est par là qu'on va remplir notre jus. On vérifie que notre joint est bien positionné et on l'assemble. Donc comme sur le Kaifun 5, il faut serrer mais pas trop parce qu'après on galère un petit peu pour le dévisser vu que c'est complètement lisse. S'il est vraiment serré, serré très très fort, après on a beaucoup de mal à le desserrer. Quand il est neuf, pensez à imbiber vos joints. Pas tellement ceux-là, enfin ceux-là aussi, ouais, au tout début, mais après ils se font assez rapidement. Mais c'est surtout ceux-là qu'il faut leur mettre un petit peu de jus pour que ça vise bien, sinon ça les flingue un petit peu. Voilà, c'est la seule chose à laquelle il faut penser, mais c'est pas très très contraignant non plus. Donc là, bon bah vu que je viens de le nettoyer, que mes joints sont bien bien secs, je vais leur mettre une petite goutte de jus comme ça. Et en vissant, en fait, mon jus va s'étaler un petit peu de partout, quoi. Donc là, on remet notre tank. Donc quand on descend à fond, on voit que ça va fermer nos arrivées de jus, hein. Donc là, on voit bien que c'est grand ouvert. Là, je visse à fond. Et là, on voit, voilà, c'est complètement fermé. On voit les petits pas de vis là. Donc, je ne sais pas si on voit très très bien sur la caméra. Je vais redévisser un petit peu pour que vous voyez. Vous voyez, là, ça commence à s'ouvrir. Là, c'est un peu plus ouvert. Là, c'est vraiment grand ouvert. Donc quand vous faites le plein, vous le vissez à fond histoire de fermer le juice control. Et c'est parti, vous faites le plein. Donc lui, il a une contenance de 2 ml. Hein. C'est pas énorme. Mais quand on vape, quand on fait de l'inhalation indirecte, ça dure quand même un petit moment, 2 ml. Et puis bon, on galère pas tellement pour le remplir. Hein. Vous voyez, on a quand même des bons trous. Hein. Vous voyez, ma pipette, elle passe très très bien. J'ai pas de problème, quoi. Les pipettes en verre, elles sont un peu limites, mais ça va, ça passe très bien. Voilà, il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Donc après, il reste juste à revisser le haut. Donc là, il y a un petit joint, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe. Là, ici, ils ont fait des chanfreins sur le pas de vis. En fait, c'est pour éviter de créer une dépression. Si la vis avait été pleine, en fait, quand on visse, ça fait une compression de l'air, ça pousse le liquide et ça le fait ressortir par les airflow. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Il y a le même système sur le Kaifun 5 et c'est vraiment efficace, quoi. Bon, en plus, notre juice control est complètement fermé, donc c'est très bien. Voilà, drip tip. Donc toujours pareil, le drip tip d'origine, je sais même plus à quoi il ressemble. Je crois que je l'ai fait sauter tout de suite, hein. Je mettrai une photo du Kaifun de toute façon. Et moi, ça, c'est un drip tip en Delrin de Yudi. Avec des espèces de spirales à l'intérieur anti-speedback. Voilà. Donc moi je l'aime bien, moi j'adore ces drip tips, ils sont super bien, il y en a toutes les couleurs. Bon, moi j'ai surtout du noir.
Mais franchement, si vous avez l'occasion d'en acheter, vous pouvez y aller, c'est nickel. Donc voilà, on a fini notre montage. On va se le mettre sur une box. Donc voilà. Ça, c'est son grand frère, le KFN 5. Vous voyez? Il se ressemble comme deux gouttes d'eau, le plateau. Enfin, tout est quasiment pareil. Donc c'est vraiment mes deux atos préférés. Celui-là pour l'inhalation indirecte et celui-là pour l'inhalation directe. Voilà. Donc si vous, moi personnellement, c'est les deux que j'utilise le plus sans arrêt. Ils me suivent partout. Ils sont nickel. Donc on va se monter ça sur la box. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à dévisser pour ouvrir l'arrivée de jus. Jusqu'à ce qu'on voit des bulles remonter. Donc là, ça, voilà. Donc là, j'ai eu ma première bulle. Donc je pense que je suis pas trop mal. En général, je suis mis un tout petit peu plus que quand j'ai vu la première bulle. Là, il y en a une qui arrive. Donc c'est qu'apparemment, notre système fonctionne bien. Donc là, je suis à combien? 23 watts, c'est même pas la peine. Donc là, ça me fait ouais, du 2,08 ohms. Donc là, c'est vraiment de l'inhalation indirecte. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Je vais me mettre à 9 watts. Ça devrait fonctionner à peu près correctement. Voilà. Pure saveur. Bon, bah c'est sûr, on fait pas des énormes nuages, mais... Dans un bureau, par exemple, c'est plutôt cool d'avoir un truc qui donne des saveurs et qui fait pas spécialement des gros nuages. Donc moi, c'est celui-là, c'est pour ça que je l'aime particulièrement, c'est que vraiment au niveau saveur, on est vraiment très 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 bien. Donc voilà, bon, ma résistance, je l'ai fait un peu haute. Hein. Je pense que 2 spires de moins, ça aurait été pas mal. Moi, je sais que j'aime bien 1,6, c'est pas mal, et 1,2, en ce moment, je suis bien sûr du 1,2. Ça me permet de monter genre à 18 watts, ça me fait quand même une bonne production de vapeur, j'ai des bonnes saveurs. Donc à mon avis, là, je vais le refaire avec quelques spires en moins, quoi, de 2 ou 3, même 3 ou 4, je pense. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur le KFN Mini V3. C'est un très bon atto, hein. Voilà, vous voulez faire le plein, vous revissez, vous enlevez, vous faites le plein, vous revissez, vous dévissez, impeccable, ça marche sans problème. Voilà, là on voit que mon système fonctionne bien puisque mes bulles arrivent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Moi, pour moi, je le trouve excellent. Donc, si vous ne l'avez jamais testé, moi, je vous invite à l'essayer. Pour ceux qui font de l'inhalation directe et qui ont envie de faire du reconstructif, ça peut être un bon premier pas pour y aller, quoi. Voilà, donc bah, je vous dis à la prochaine et continuez de vaper. Allez, à plus.